L'indice de réfraction est sans unité. En effet, l'indice de réfraction est égal à la célérité de la lumière dans le vide, 300 000 km par seconde, divisé par la célérité de l'onde dans le milieu considéré. Donc un rapport de même unité, hein, l'unité égale de vitesse dans le mètre seconde moins 1, mètre seconde moins 1, on a quelque chose sans unité. Autrement dit, ceci est sans unité, je remplace par 1, 1, lambda b étant 2,376 fois 10 moins 15, 10 moins 15 mètres carrés, autrement dit, B étant mètres carrés, ce qui signifie que lambda doit être forcément en mètres, parce que des mètres élevés au carré, ça nous donnerait mètres carrés divisé par mètres carrés, et ce rapport est bien sans unité. Donc, la longueur d'onde, son unité légale, c'est une longueur, c'est normal, son unité légale est le mètre. Et dans cette expression, elle est évidemment en mètres.